Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à tous dans l'épisode de Wildstar. Donc toujours avec notre Esper. Hein. Hop, on va aller... On va entrer dans le jeu tout simplement. Hein. Non, double clic ça suffit, pas parfait. On va continuer notre aventure sur le jeu Wildstar. Hein. Je ne sais pas ce qui se passera au moment de la sortie de d'Agatha Christie, donc The ABC Murders. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser avec ça. Je pense qu'on verra sur le coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai la clé, j'ai le jeu sur Steam. En version donc journaliste, comme certains peuvent dire. Hop. Je sais pas ce que c'était, mais je l'ai pris. Fiole de récolte, pourquoi pas. Donc qui est en fait l'équivalent de la version que vous pourrez retrouver sur les lives, sur les essais de les tests et de jeux pardon de jeuxvideo.com. Donc encore une fois merci à GameSpy de m'avoir offert cette opportunité. Là à l'heure actuelle, la chose en question est la suivante, c'est que je ne peux pas uploader de vidéo encore avant la sortie du jeu en fait tout simplement. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais actuellement? Bah, je fais de mon mieux, hop, pour être en mesure de prendre de l'avance dans le jeu et de vous offrir une expérience, on va dire pas unique, mais presque. Pourquoi je dis ça? Non, parce que je ne lis pas, même si je lis beaucoup de livres, Agatha Christie n'est pas dans ma lecture. Ce qui fait que je n'ai aucune idée en fait de du déroulement du jeu entre guillemets, du déroulement de l'histoire. Donc de ce côté-là, vous n'allez pas être spoilé, si je puis dire. Hop les, ouf, dégage. Je t'aime pas, je t'ai dit. Oh 3 PV, il reste 3 PV sur 1200. C'est sérieux. Enfin bon. Voilà la chose en question. Après, j'estime d'avoir une logique assez cohérente, même si je vois souvent le bon côté des gens. Ce qui peut être un problème, parfois. Bon, donc voilà. Moi, je rentre tout juste de mes petites vacances. Hein. Là, c'est la deuxième vidéo que je tourne. Donc, j'en tourne deux ou trois. Oh la vache! C'était pas prévu, ça. Tiens, forme spectrale! Tu ne me vois plus, j'ai disparu. Je suis dans ta tête! Double tuerie? Cool, j'ai eu. Fait chier par contre que j'ai gaspillé mon. Ça va être. Donc on va prendre les deux, hein, c'est pas grave. Hop là! Bouffe-toi mes épées! Voilà! Donc cette. Quête là est terminée. Notre expédition du troisième type, d'accord. C'est où cette quête là? 419 mètres. Là, 405 mètres. Là, 25 mètres. On va commencer par celle-là. Par l'étranger. Tu as aligné les esprits. Oui, les maîtres sont satisfaits de ce que tu as réalisé. Ça a été une vraie révélation. Puisse l'élément sacré te protéger toujours. Ok. 79 mètres. Pourquoi pas? Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai perdu. On avait d'autres quêtes tout à l'heure présentes, et je ne les ai plus d'affichées. Le grand œuvre continue. Je pense que c'était la grande œuvre. La confiance des anciens a-t-elle été gagnée? Alors, un habit comme ça. D'accord, assaut ici et soutien là. Donc, on va encore prendre de l'assaut, hein, du DPS. On va l'équiper, tant qu'à faire. Sois béni, étranger. Est-ce qu'on atteint le niveau 10? On est niveau 8 à 90%. Bon, bah non. Recette de Guy Bonfry. Bon, moi j'ai pas le niveau d'artisanat requis. Il me semble, de tête, qu'il y avait quelque part. Voilà. Assembleur d'artisanat, aptitude hors combat. Bonus de connexion, bourse au cred. Holopendule, voilà. Il me semble qu'on avait débloqué des costumes, voilà.
On a 3 PO. Hop, on y va, on va les débloquer. Vous voyez, donc en bas à droite, on a 3 PO. Je sais que l'interface est assez petite sur ce jeu. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Cependant, par exemple, pour leur l'argent, j'aurais aimé avoir un autre endroit plus rapide d'accès, entre guillemets. Me permettant, en tout cas, de récupérer un petit peu les informations que je cherche plus rapidement. Voilà, donc on a mis un petit peu d'argent dans le déblocage des objets de l'opendrie. Qu'on ne va pas mettre à profit tout de suite. Hein. D'ailleurs, l'armure est pas top. Hein. Je vous rappelle que le masque, quoique. Quoique, le masque est assez horrible. Holopendry. Voilà, le masque. Retirer la teinture. Ah, d'accord, je peux retirer les... J'ai des teintures aussi dans le jeu. Cool. Débloquer des costumes. D'accord, donc ok, je comprends pas trop ce que je... Costume 1. D'accord. Je peux regérer l'intégralité des costumes. Ok. Voilà, est-ce que là je peux... Voilà, parfait. Ça c'est cool. Bon. Petit souci cosmétique de résolu. Celle de l'élément sacré. Va voir notre arcaniste, il te donnera les reliques que tu recherches. Que tu cherches. Espérons que ce n'est qu'un début. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'on avait des choses à chercher là-dedans. Au niveau des quêtes, où est-ce que c'est censé être? Ici. Expédition, tâche, tempête approche. Les voir l'arcaniste, d'accord. Tâche. Ah oui, c'est le donjon ça, je m'en rappelle, ça y est. Ok. Escorter le transcharge depuis le village chasse tempête. Où est-ce? Par là. Je trouve que l'animation de ce jeu est géniale. Les graphismes me rappellent énormément World of Warcraft, ce qui est un point ahurissant pour un MMO. Tout simplement parce que je n'ai jamais retrouvé réellement l'univers de Warcraft. Enfin, de World of Warcraft. Et là, je retrouve un style qui est très très proche. Relique déjà envoyée, doit être sur route. Oh merde. Putain, d'accord, ok, c'est ça qu'il faut que je suive. Ok, ça pue du cul. Est-ce que je peux... Ah, dommage. Ah, oh, j'aurais tellement adoré monter dessus. What? D'accord. On va magasiner un petit peu de puissance. Ah mince, c'est juste une vague. C'est juste une vague. On reprend? On reprend, d'accord, mince. Ah bah merde. Hop. Non. On se calme les mecs. Double tuerie. Double tuerie. Parfait. Wow. Hop les. Bouffez mes épées. Ok, on reprend. Déplace-toi, 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 rush. Pars avec la bénédiction de Dominus. What? Déjà fini? Ok, un commerce équitable. Les secrets de Dominus se dévoileront à tous. Je vais récupérer les technologies. Réputation. 376, sélection, sanction d'Elevar. Église de l'éveil. Parfait. Il semblerait, au passage, que marche esprit empoisonné. Qu'est-ce qui se passe? En territoire piégé. Que nous as-tu fait, tous? Sanction d'Elvar. Que s'est-il passé? Dites-le moi. Je te maudis. What? Mets-toi en route sur le champ étranger. L'Empire, t'es reconnaissant. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Moi, ça fait 10 jours que j'ai pas joué au jeu. Si ça se trouve, j'ai pas pensé que j'allais être en train de faire une connerie. Bon, on va bien voir. Alors, il risque d'être un petit peu plus offensif. Potentiellement. Ou un bouquin. Ah mais c'est des caisses empoisonnées tout ça? Merde. Si ça se trouve je les ai tous tués. C'est vrai qu'ils sont plus trop nombreux hein. Trouver le marche-esprit empoisonné. Ok.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, parce qu'en fait, on fait 10 mètres à la seconde en jeu. Idrisse, noie les étrangers qui ont contaminé les terres de Chastopède. Oh là, un vilain. Serait une sorte de boss. Double tuerie. What? Mais non. Ah non. Qu'est-ce qui charge? D'accord. Mais il me pourrit mon groove. Ouais, mais non, il me pourrit le jeu. Il me pourrit le jeu, littéralement. Ce chieur. Mais non, 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 j'ai pas besoin de ton aide. Oh, fais chier. Non, 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 j'ai pas besoin de ton aide. Oh, je déteste ça. Franchement, je déteste qu'on me pourrisse un... En territoire piégé. Le marche-esprit n'a plus, plus la force de parler. Il y a quelque chose qui cloche. La cruauté et la crédulité. Tu devrais peut-être fouiller le village de Chasse-Tempête et découvrir ce qui s'est passé. Je vais aller fouiller le village pour aller voir, chercher des indices. Oh, je suis vexé. J'aime pas quand le jeu avance sans moi. Ça me dérange. Franchement, ça me dérange. Qu'est-ce que j'ai reçu? Oh là, j'ai reçu un sort, là. Esprit projeté. Ah, oh, c'est un... Flamme pyrokinétique. Ah, ça, ça a l'air simplement intéressant. Lancement de... Nanana. Ah, déjà, oui, l'esprit, là, la con, je l'enlève. Toi, t'es quoi? Matériel d'une torche pendant 6 secondes qui s'allume au contact d'un adversaire ou au fin de course, créant un champ de 10 mètres, génère un psy. La torche a fait le son de 10 mètres, on a l'intérêt de 70 mètres, on a l'intérêt de... Ah, ah, c'est intéressant ça. Elle fait des dégâts et du... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'utilitaire de soin, mettre celle-ci, et mettre l'Espergeist en dernier. Mince. Retour. Sauvegarder. Utiliser l'archétype, voilà. Et juste pour voir. Ah ouais, je m'attendais à mieux, c'est marrant. Voilà les fameuses trucs vertes. Le poison, ça peut avoir un puissant effet sur les pelles. Oh putain, je suis empoisonné. Alors, être pris projeté. Oui, c'est bien celui-là, ouais. Alors ici. Oh la vache. Totalement indécelable avant la mort, putain. J'en prends plein la gueule, bien sûr. Tout porte à croire que le poison a été conçu par le Dominion. Oh mince. Conçu pour être intégré, pour être ingéré sans pouvoir être décelé. Un cadavre. On devait se trouver dans les provisions de Pyrrhus avant leur livraison. What? T'as raison, profite, profite, mon pote. Hop les. Merci pour le heal. Hop. Oui, honneur et gloire, la cruauté et la crédulité. Tout va bien, Marcus Bonus, dis-moi ce qui te tracasse. Les pelles ont été empoisonnées. Empoisonnées, comment? Le visage de la justice. Qui a commis cette atrocité, citoyen? Le coupable doit être jugé pour ses crimes. Le coupable, c'est Pyrrhus Octavian. Oh, le technopantalon de justicier. Rien que le nom est bon, mais c'est pas celui-là que je vais avoir. Je vais avoir le protège-jambe de justicier. Dommage. Est-ce que je peux... Prévisualiser l'objet. Ok. Et celui-là. Bon, les deux sont pas trop moches. Ok. Je vois, dans ce cas, va demander des explications à Pyrrhus. Je te rejoindrai sous peu. On va pouvoir parler au chimiste, au passage. Qui se trouve à 317 mètres de ce côté-là. Et Pyrrhus, qui lui se trouve à 500 mètres de l'autre côté. Génial. Toi, toi, tu m'as pourri mon jeu. Saloperie. T'es quoi toi? Ah oui, t'es un des putains d'escargots, je l'ai pas reconnu. Excuse-moi. Ah, génial, l'indication de la quête, ça me rappelle beaucoup Batman.
dans les Batman, dans les Batman Arkham, quand vous indiquez un point de passage sur la carte, ils apparaissent de cette manière en fait. Ah non, même pas, c'est pas ça. C'est même pas les points que j'ai indiqués. Oh, j'aurais cru pourtant. Ça va, tranquille, moi j'ai pas encore de monture. Mais ce jeu est franchement très très bon. Incroyable. Apprenez toutes les ficelles du combat rapproché dans un environnement relativement protégé, modérément. Franchement, ce jeu est une véritable tuerie. Qu'est-ce que c'est ? C'est son dead de multi-combat. What ? D'accord, là j'ai un bonus de vitesse. Bon, j'imagine que c'est deux bonus donnés au nouveau joueur. Commissaire de victoire du Dominion, chimiste Corvianos. Ça fait plaisir de te voir. Chasse au gaspille. Je ne suis jamais allé contre un petit coup de main pour finir mes commandes artisanales. Oui, d'accord, le recyclage est l'art de démontrer les vieilles bricoles, de démonter les vieilles bricoles et d'utiliser leurs composants pour créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avec l'armurière Tyrexa, on a travaillé sur un nouveau prototype, mais ce maudit machin n'a jamais voulu fonctionner. Mieux vaut le recycler et apporter à Tyrexa, oui, les pièces qui peuvent encore servir. Vous pouvez compter sur moi. Passe-leur le bonjour de ma part, chef. Moi, j'aimerais bien recycler ça. Mon ancien haut. Hop. Parfait. Morceau de technologie rudimentaire, génial. Et du lin. Oh, le retour du lin dans le MMORPG. Mon dieu. Donc tu disais recycler le prototype inutilisable. Hop. Parler à l'armurière Tyrexa. Ok, yo. Qu'as-tu découvert ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hum, merci Marcus Bonus. Tu as fait du bon travail en séparant le bon grain de livret. Ces composants serviront à mon prochain projet. Je t'observerai. Mais de rien. Écoute, c'est un véritable plaisir de pouvoir t'aider. Ok, trouver Prius Octavian. Allons-y, on est parti. Alors, on pourrait utiliser une monture. J'en ai franchement pas envie, soyons honnêtes. Je ne veux pas utiliser des montures à louer. Le principe de louer ne me plaît pas. En règle générale. De toute façon, je ne suis pas du genre à accepter l'aide monétaire et tout ce qui s'en implique. C'est même pour moi très compliqué d'accepter des cadeaux. Alors je dirais que t'es plus ou moins par là, mais oui. Enfin, oui, j'étais pas trop dedans en fait. Ok. Oh la vache, t'es encore loin. Fais gaffe, je suis un explorateur. Hein. Oh. Oh, j'explore. J'explore, chers amis. Eh ouais, non, non. Je suis tout en haut de la carte. Oups, ça m'a fait drôlement mal. What's up? What's up, bro? Mais il est pas là, on est d'accord. Bon. Ah, fallait que je passe le point de passage. D'accord, yo. Tu t'exposes au courroux de l'empereur. Si j'empoisonnais les pelles, évidemment, ces sauvages m'empêchaient. Mais je ne peux rien te laisser. Je ne veux pas te laisser raconter tout ça à tout le monde. Tu dois mourir. T'avais une jolie armure, c'est con. Je sais pas ce qu'il a comme classe, mais c'est cool. Hop là. Succès obtenu. Blasphème obtenu. Excusez-moi, donc je suis encore malade, hein. Pour ceux qui ne regardent pas. Boucle d'oreille, bon marché. Que veux-tu ? Honneur et gloire, le visage de la justice. Vous avez bien servi l'église de l'éveil en livrant Pyrius à la justice. Nous ne devons pas laisser la foi nous aveugler, de vils personnages se cachent parmi nous. Protège jambes de justicier. Assaut, c'est parti. Succès obtenu. Succès obtenu. Contre vents et marées. Génial. Succès obtenu. Cool. On obtient plein de tous nos trucs, c'est vraiment génial. Ce jeu est vraiment bon, hein, soyons honnêtes, hein, il est excellent. Hein. C'est marrant, ça bip là. Appel manqué. Une main guérisseuse. Ta participation... Répondez.
Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Une main guérisseuse. Les forces Pels ont blessé plusieurs de mes gardes. Nous avons été pris au dépourvu lors de leur attaque soudaine. Il nous faut de l'aide immédiatement. Réputation. D'accord, j'y vais de ce pas. Va-t'en maintenant. Le temps nous est compté. Je vais juste, avant, aller voir Lolo Pandry. J'ai des choses à débloquer. Ok. Peut-être qu'on peut peut-être avoir une vraie armure sympa. Je sais pas. Posons-nous la question. Ouais, non, celles-là sont stylées. Oh, made in Didong. You touch my tralala. Je vois pas de différence entre les deux, personnellement. Ok. Ah, oh, je suis nu-pied, ça vaut pas le coup. Puis là, j'ai les gambettes à l'air, mais c'est naze. Ah. Bon. Voilà. Et on est tout beau. Pour zéro. C'est cool, ça. Alors, parlez à la gardienne, 400 mètres. Bonjour. Que me veux-tu, ville créature? Assez. Putain, mais il est solide. Toi, là. Viens par là. Tu veux déjà goûter à ma torche? Je crois que je l'ai jeté parce qu'il brûle, j'imagine. Déjà goûté à ça. Ouf, ma torche. Ah, il se prend double dot. C'est carrément rapide. Hop, là, bouffe mes épées. Et c'est fini. J'ai cru que tu pouvais me la faire à l'envers. Eh ben, t'as perdu. Par contre, au niveau de l'explo, je sais pas trop ce que je fais, en fait. C'est assez saoulant de pas savoir ce qu'on fait dans un MMO. Oh. Une quête. Examiner sur la piste de Griffe Brume. Des traces s'éloignent de cet animal fraîchement tué. Vu leur apparence, elles ne peuvent appartenir qu'au légendaire Griffe Brume. Oh. Accessoire d'armes. Ça peut être sympa, ça. Je vais les tuer, Griffe Brume. Ça peut être sympa, ça. Mais tu es 275 mètres, par là, c'est... Oh, on y va, fuck it. Griffe Brume, où es-tu? Où es-tu? Ose, viens te montrer. Fais face à ton destin. Oh, je vois un truc. Oh, je vois deux trucs. Découverte. Les découvertes sont des bonus cachés d'espace aux 4 coins de Nexus au-delà. J'ai de bonus à temps de découverte. D'accord, ok, pigé. Wow, PV. CC. Amélioration. Ah, de 10 minutes. Ouais, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix si on se fait le boss. Quoi marche pas? Bizarre. Ah, bien aimé comprendre. Où es-tu? Il n'est ni plus ni moins qu'une créature vile et corrompue. Tiens, bouffe. Hop là. Péri. Nous avons à parler. Sur la piste de Griffe Brume. Alors, on a ça. Indice d'assaut, de soutien. Assaut. Je dois admettre. C'est pas ce que c'est, mais assaut. Je crois que je l'ai équipé. Soit. Allons-y. Et ça m'ennuie de pas l'avoir, ce machin-là, tout en haut. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est, ça?
Oh, un bonus de vitesse. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Rien du tout. Oh. Oh, le joli camp. Hop, démission. Recherche, hydrogarde solitaire, groupe de plus, 8. De plus. Ça veut rien dire. Dommage. Non, pas de plus. Je prends la quête. Yo. Mordra bien qui mordra le dernier. Slanks mâchouille mes câbles. Équipement ruiné, alors j'ai inventé rayon et denteur. Utilise-le sur Slanks, ça arrache leur don direct. Je vais refaire le dentier à ces Slanks. Prends ton temps, fais-lui souffrir. Bonne de survie. What? Espion, brelame, furtif. Où ça, espion, ombre, lame, furtif? Bon, c'est pas grave. Plus dedans. Espion, ombre, lame, furtif? Oui, je vous ai vu, mais ça ne m'intéresse pas. Oh! Je ne veux pas de vos tapis! Repartez avec vos tapis. Défi. Tuer autant de pelles chasse tempête. Oh, je commence à en tuer 3, on me demande d'en tuer plus. Triple tuerie. Triple tuerie, voilà, boum. 19%, c'est tout. Hop. Du défi. Oui, je sais. Boum. Il va crever, oui. Mais non, ça n'a pas suffi. Résistant, celui-là. Ok, bien joué. Une jolie tête, un joli casque. Bon, franchement, c'est stylé. Ok, on a 69. Hop là. Oh, meurs. Il y en a qu'on repop dans le coin. Cœur de glace, des chasses tempêtes. Ah, c'est lui, merde. C'est le mec qui est assez insensible. Hop, il est balèze, hein. C'est pas mine, hein. Défi terminé. Oh la vache. Ah, un slank. Donne-moi tes dents. Donne-moi tes dents. Donne-moi tes dents. Reste-t-il des bestioles avec des dents? Oui, j'en vois. Je suis trop éloigné. Oh. Voilà. Tes dents sont à moi. Je suis la fée des dents. Hop. A pu. Bricoler, réparer, comploter, conspirer, planifier. Mandra bien qui mandra le dernier. T'as récolté de nombreuses dents de Slank. Très content. Rongeur mâchouille plus calme maintenant. Très très content. Si vous êtes content, moi aussi. Exploitons les secrets de la science. Dans le slank en propriété pénétrante pour être efficace, oui, génial. Alors, gardienne Zelkon, t'as vu une bonne chose, prends ce medikit et soigne tous les gardes blessés que tu trouveras. Bien madame, bien madame, bien. Prêtresse Trania
Lavus, je vaut mieux que cela. Quel endroit répugnant, j'ai des hauts le cœur. Comment peut-on avaler ces rations? Mon estomac ne les supportera jamais. Et toi, trouve-moi quelque chose de plus raffiné, des herbes par exemple, quelque chose comme ça. Recette monstropia frotti et un bout de monstropia frotti, d'accord. Alors va. Des herbes ou un truc comme ça et on le trouve un monstropia frotti. Enfin bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous retrouvez le lien dans la meilleure de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Il y a des gens avec une monture.